l'intérieur de ces haies, on met plus d'espèces à fruits, notamment en pensant aux abeilles. Et donc on diversifie les espèces, mais surtout en essayant de rester sur des espèces locales, rustiques, qui s'intègrent bien au paysage et surtout qui ne nécessitent peu ou pas d'eau. À l'image de cette haie, les haies qu'on développe maintenant donc sont arrosées la première année, parfois un petit peu plus, mais après sont livrées elles-mêmes. C'est long, il faut être patient, mais on arrive à obtenir des haies qui sont durables, qui n'ont pas besoin d'entretien, qui sont bien intégrées au paysage. Et avec le recul, on s'aperçoit vraiment qu'on obtient des haies intéressantes bon, pour la faune sauvage en général, mais pour les espèces gibiers, mais aussi pour les passereaux. Et puis au niveau diversité en insectes, c'est très intéressant puisqu'on a des strates de végétation différentes. On plante tout le temps sur deux rangs, donc ça laisse des espaces à l'intérieur pour la nidification. Là par exemple, on a un chêne vert. On s'aperçoit que les chênes verts sur des sols aussi pauvres et difficiles qu'ici, ben finalement, ils ne vont peut-être pas se développer beaucoup, mais ben, ils se passent d'entretien. On travaille beaucoup avec les associations pour la gestion des espèces sauvages, la gestion donc des espaces, mais de plus en plus, les chasseurs se tournent vers les aménagements de territoire et on est sollicité pour des choses assez nouvelles, hein, tout ce qui est donc fleurissement des espaces sauvages, mais aussi urbains, l'intégration donc, de mesures favorables à la faune dans tout ce qui est travaux agricoles, à l'image du réseau Agrifaune, qui est un réseau national qui expérimente des travaux agricoles favorables à la faune sauvage. Bon là c'était peut-être pas encore assez séché, donc il y a encore quelques mottes. Mais bon là après on va passer le rouleau et ça va finir d'écraser. Un peu partout il y a eu des amorces de fédérer les éleveurs pour faire ça, et ça s'est pas vraiment fait à l'échelle, là nous c'est à l'échelle de la coopérative, donc la coopérative des éleveurs. Nous on y trouve un intérêt financier, de savoir ce qu'on produit, de pouvoir peut-être se convertir au bio, et après il y a un intérêt de façon, en tant qu'agriculteur, de voir aussi que tous ces terrains de la grande agglomération de Perpignan qui partent en friche, ben voilà, on trouve que c'est une bonne chose que ce soit repris en main. Quoi, et, non, c'est bien que voilà qu'on se batte un peu pour les mêmes choses, chasseurs, éleveurs. On voit qu'on a quand même, de façon plus globale, le même esprit, la même volonté de travailler ensemble sur des choses concrètes. Il va 4 mètres. Il faut qu'on mette un piquet ici, un piquet là, et peut-être au milieu pour pas qu'il aille trop en biais. On est en train de réaliser un projet de reconquête des friches. Donc il y a trois objectifs majeurs. Le premier, c'est tout d'abord de maintenir et développer l'agriculture sur le territoire. Comment ? En expérimentant, en allant à la reconquête des friches. Deuxième point, c'est valoriser le paysage, donc façonner un peu l'identité du territoire. Et le troisième point, c'est composer avec les enjeux du site. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notamment la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec l'association de chasse de Clairat, mais aussi là, avec Olivier, donc avec la Fédération départementale des chasseurs, où l'objectif, c'est donc de développer l'agriculture, mais aussi des mesures en faveur de la biodiversité. Elles vont se traduire par donc 10% sur chaque parcelle. Donc on va prendre 10% sur chaque parcelle qu'on va reconquérir et on va donc mettre en place des aménagements ou des mesures donc qui sont destinées à favoriser donc la biodiversité. Et depuis 3 ans maintenant, donc on travaille en partenariat avec donc les chasseurs, fédération et association communale de chasse et l'université. Ils n'ont pas seulement la fonction de gestion on va dire de la faune, mais leur fonction va au-delà justement de cette fonction de chasse puisqu'ils entretiennent, ils participent à l'entretien des espaces, quels qu'ils soient, que ce soit des friches ou par les cultures faunistiques ou l'entretien des sentiers. Donc ce sont quand même des acteurs clés de l'aménagement du territoire. Et ça là, c'est le morceau de terre nu ou c'est qu'il n'est pas arrivé au bord ? Non, c'est qu'on laisse une partie. Moi j'avais balisé du fond, on préfère laisser un morceau au cas où. On m'a donné une mission et j'essaie de mener à bien cette mission avec les enjeux qu'on peut trouver aujourd'hui sur un territoire. Donc des enjeux qui peuvent être à la fois adverses mais complémentaires comme l'agriculture et la biodiversité. Et essayer voilà, de composer et c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ? On va voir. Hein. On y met toutes les forces possibles dedans. On a une bonne dynamique avec,
avec tous les chasseurs et tous les acteurs du territoire. Donc on espère qu'on va y arriver. Il vaut mieux le voir comme ça qu'en friche. Qu'en friche. Et alors après, il y aurait une liaison avec le, avec le moulin. Ah, oui, faire une vitrine qui ferait le terroir. Ouais. Le but, c'est de créer un magasin où tu auras le meunier, tu auras le chai catalan, tu auras les figuiers, l'abricotier de Clairat et tout ce que tu veux. Le but, c'est de relancer vraiment un secteur économique aussi. Ouais. Donc le but est de trouver une culture qui fasse que les friches reculent, de continuer à pouvoir travailler avec la cave et la chasse de Clairat et de faire un 10% qui serait semé par les chasseurs et entretenir la faune pour la chasse. Par contre, à côté, il faut que ce soit rentable. Et la rentabilité, peut-être on l'aurait trouvée à travers du fourrage. Alors le fourrage servirait pour les éleveurs des hauts cantons et à travers le moulin, relancer une économie et un patrimoine. Moi qui ai vu moulin pendant 50 ans, un amas de pierre en quelque sorte, hein. Mais on n'aurait jamais pensé qu'on le retrouve avec des ailes et avec une potentialité économique. On a un intérêt par rapport à la faune et montrer aussi le dynamisme des chasseurs qui ne restent pas les bras ballants mais qui s'impliquent dans ces actions-là. Je trouve que c'est une excellente façon de sortir du patrimoine très, très ancien et d'y trouver une vocation qui aille dans le sens économique. C'est bien. On a le moulin à eau qui n'est pas loin et qui a été un peu restauré, mais qui doit l'être davantage peut-être. C'est ça, hein, c'est la suite. Hein. Là, tu as le ruisseau qui est arrivé. Oui. Suivant l'eau qu'il y a, est fermé une vanne ou l'autre vanne. Et alors là, il devait y avoir un truc à roue, une roue à homme ou je ne sais pas quoi. L'eau tombait et la roue tournait. Et ça donnait l'énergie. L'énergie pour faire tourner un axe qui était là-bas dedans. Nous sommes en train de créer dans un espace un agriculteur qui va produire, mais pas énormément. Nous allons mettre un meunier qui, lui, ne pourra pas faire des tonnes de farine. Et nous allons mettre un boulanger qui, lui, produira le pain avec la farine qu'il aura sortie d'ici. Ce sont des circuits non seulement courts, mais ce sont des petites niches. Le président des Moulins de France m'a demandé de venir pour expliquer aux autres ce que nous avions fait. Parce que moi, j'avais prétendu que nos moulins, nos vieux moulins, avaient un avenir et que cet avenir, il pouvait être immédiat. Et que celui qui ne réfléchit pas avec le passé ou alors l'oublie, eh bien ma foi, il disparaissait ou il faisait les mêmes âneries que ce que nous avons vu avant.